Tiens, te voilà, toi. C'est aujourd'hui que tu te pointes. Tu peux être habillé, on n'a pas besoin de toi, t'es viré. Et puis tu me libères la chambre, hein. Le petit doit s'installer. Allez, fous le camp. De toute façon, je t'emmerde. Ton boulot, c'est de la merde. Je crache dessus. Quoi? Comment tu me parles? Comment tu oses me parler? Après tout ce que j'ai fait pour toi, comment tu oses? Vas-y, viens. Viens me chercher, là. Pédé, là. Toi, il va te sucer, là. Allez, vas-y, suce-le. Tu l'es. Je sais pas ce que tu vas devenir, mais je donne pas cher de ta peau, hein. T'es qu'une crapule, un bon à rien. C'est un gros enculé, le père Marcelin. Puis c'est pas lui qui m'a viré, c'est moi qui suis parti. T'es un vrai cinglé, toi, tu... T'es malade. Je m'en fous du boulot. Tu veux que je paye mon coup, ouais? Puis que maintenant, monsieur est sans ressources. Ah bah ouais, c'est vachement drôle, ça. J'aurais dû le piquer dans sa caisse, quoi, pour ce qu'il me payait, ce connard. Ouais, t'as raison, t'aurais dû lui piquer. Ouais, bah ouais, j'aurais dû... Ouais, en tout cas, tu vois, t'as de la chance, c'est mon jour de bonté. Je vais me toucher ma paye. Non, t'es mal barré, quand même, maintenant. Ce qu'il y a, c'est que si tu veux retrouver du boulot dans la région, t'es cuit parce que le père Marcelin, il va te griller. Putain, mais t'as rien compris. Bah, si, si, mais le boulot, pour moi, c'est fini. Bah, qu'est-ce que tu vas foutre? Mais je serai plus jamais l'esclave de personne, ça que t'as pas compris, quoi. Ouais, je préfère me couper les mains, ouais. Ouais, quoi, c'est pour avoir un boulot comme le tien, quoi. Hein? Ça va, moi, il est bien, mon boulot. Il est bien, ton boulot. Mmh. Il me fait piquer, ton boulot. Je m'en fous. T'as pas compris qu'à partir de maintenant, c'est moi qui profite des autres, c'est moi qui les baise. Ouais, vas-y, vas-y, moi, comment tu fais, comment tu baises? Tu vas les baiser. Explique-moi. T'es là dans ton trou en train de crever comme un chien. À côté de toi, il y en a qui ont du fric plein la gueule. T'es conne? Ouais. Mais c'est cela que je veux, c'est leur fric que je veux. Vas-y, c'est quoi ton plan? Tu les rencontres où, ces mecs-là? Tu fais quoi? Je sais pas, tu. J'y pas, tu veux. Tu sais pas, tu vois? Ouais. Tu sais pas. Tu vas voir, attends demain matin, tu vas voir la gueule demain matin. Tu vas faire une gueule, ça va être pire qu'une gueule de bois, ta gueule. Ouais, ça m'étonnerait, quoi. Moi, je suis pas un faible comme toi. Mais toi, t'es fort, toi. Ouais, moi, je suis fort. Ouais, t'as vu ça où? Qui c'est que t'as dit que t'es fort? Putain, mais tu me parles, toi, mais regarde-toi! Mais regarde-toi! Mais tu ressembles à rien, ma pauvre! Mais ouais, t'es dans ton bled depuis que t'es petite! Et qu'est-ce que tu fais maintenant? T'es caissière! C'est ça ta vie, d'être caissière! Mais tu me fais pitié, quoi! Franchement, tu fais pitié, tu vas crever dans ce bled! Attends, c'est tout ce que tu vas faire de ta vie! Mais attends, arrête, ça va, moi je travaille, moi! Toi, tu crois que là, que tu vas devenir demain, tu vas devenir un super gangster? Tu crois ça, toi? Tu vas braquer toutes les banques? Ouais, bah ouais, ça, je préfère faire ça, quoi. Tu ouais. Crois ça? Ouais, bah ouais, je crois ça, ouais. Tu vas te retrouver dans une petite prison minable avec ta photo dans le journal du coin et c'est tout. Faut croire dans son étoile. Ouais, bah ouais. Je crois. Justement, moi je crois. Moi je crois dans mon étoile, tu vois. Elle est pas grosse, elle est petite même, mais elle est là, dans le ciel. Je la vois. Tous les jours. Oui, je la regarde bien. T'as de bons yeux, hein, putain. Si tu veux, tu peux m'emmener avec toi si tu veux. Je te porterai chance. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Je sais pas. Je sais pas, on peut faire un... Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Des trucs. T'as pas compris, hein. C'est... De quoi? C'est des chemins qui se font tout seuls. C'est ça que t'as pas compris. Salaud, ouais. Tu sais pas où dormir, en plus. Il t'a repris ta chambre. Si tu veux, tu peux venir dormir chez moi. Tu vois, moi, j'ai confiance en toi. Moi, je trouve que t'as pas une tête de voleur, justement.60 millions. Quoi? 60 millions?
Tu sais combien ça fait, 60 millions, elle a pas pu toucher ça, t'es ouf, toi. Mais tu crois que quoi? C'est rien de l'écriture, une signature et paf, ça passe d'une banque à l'autre, personne n'a rien vu. Tu crois pas qu'un mec il va te filer rendez-vous dans un parking avec une petite valise de 60 millions? Mais qui c'est celle-là? Putain, une meuf comme ça, j'épouse tout de suite, voilà. C'est la connasse du big boss de l'État, là. Celui qui a payé ses pommes 10 000 balles. 10 000 balles ses pommes? Ouais. Mais c'est en quoi ses pommes, pas lui? Remarque, hein, c'est le plus haut personnage de l'État. Faut pas qu'il ait froid aux pieds pour nous commander. C'est pas le plus haut personnage de l'État, c'est le plus haut personnage de la justice. De connasse, elle était en photo avec lui, tu as vu? Elle avait une carte de crédit, elle tirait 200 000 balles par mois. Pow! 200 000 balles qui tombent, bingo, tu as vu? Oh, c'est quoi un mec de gauche qui a des pompes à 10 000 balles? Ça existe, ça? Comment il fait le mec pour serrer la main aux pauvres et aux ouvriers dans ses pompes à 10 000 balles? Il te regarde dans les yeux. Droit dans les yeux. Et toi, t'as qu'une chose à faire. Regardez ces putains de pompes à 10 000 balles et baissez les yeux. Attends, frère, c'est différent d'un mec de droite. Un mec de droite, il prend un calibre et pouah, il t'explose la tête, tu as vu, sans pitié, pour le fric. Et ces pompes à 10 000 balles, il t'écrase la gueule avec. Tu sais combien il y a eu de commissions en plus des 60 millions? Combien? 800 millions. 800 millions? 800! Ces gros fils de pute, là, 800 millions, d'où elle sort cette thune? Il blanchit ça, ça passe sur les papiers. Tant, il a fait du business avec un autre pays, tu as vu? Ils te mettent des richesses à vue, des richesses à vue. Mais nous, attention, hein, nous, on n'a pas le droit de toucher, il faut juste regarder. Alors que je vais te dire, comment tu fais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire comme nous, faut aller se servir.
J'ai une piole chez moi. Tu vas la prendre. Toi, tu laisses la place, t'iras chez Chacal. Vas-y, empile ça. Barouet ! Oh, Barouet, passe-lui un champ. Allez, bouge ton cul, Barouet, vas-y. Faudra trouver une tenue, toi. Tiens, attends, comment tu vas faire pour enfiler le short, là ? C'est quoi ton nom ? T'as des vestiaires là-bas, tu peux y aller. Oh, oh ! Tu laisses ça là, hein ? Appuie-la sur droite. Allez, mieux que ça. Déplace-toi. Couché du gauche, couché du droit. Allez. Insiste, allez. Appuie, qu'est-ce que tu as du caramel, gauche, droite, côté avant, côté arrière. Je le corrige. Devant le miroir. Oh, prends ta garde, protège tes flancs, ta tête. Voilà, c'est le ventre là, le ventre. Protège, joue avec ta garde. Vas-y, flanc, flanc, tête. Flanc, flanc, tête. C'est bien. Allez, encore, flanc, flanc, tête. Mets une gauche là. Qu'est-ce que tu fais? Mets une gauche, protège-toi là, montée. Voilà, casse le poignet devant. Voilà, la droite. Gauche, droite. Qu'est-ce que tu fais là? Gauche droite. Mais regarde ça. Gauche droite. Vas-y. On continue là. Voilà, tu fais ça. Tu fais ça dans la glace comme ça là. Ok? Tu continues pendant 10 fois, ok? Ouais. C'est une balle dans la gorge. Un mec devant lui, il commence à le braquer, l'Asiat, il est devenu fou quand il a vu le flingue, quoi. Il a avancé vers le type et lui a dit, tue-moi. Vas-y, tue-moi, c'est à des couilles. L'autre, il l'a balisé, il a commencé à tirer, quoi. Là, l'Asiat, la gorge a explosé, il a avancé vers le type. Il l'a broyé, il l'a ruiné, mais comme un chien, quoi. L'autre, il est tombé raide mort. Personne pouvait reconnaître sa tête tellement elle était défaite, t'imagines. Il a gardé la balle dans la gorge, en plus. Pas comme quoi... Il aurait affronté la mort, il serait plus fort qu'elle. Je sais pas, c'est ce qu'on dit. Je te donne une adresse. Une vieille dame. Tous les jeudis, tire à la voix. Tu lui diras que tu viens de ma part. Ok. De la part de Sylvain. Tu acceptes rien d'elle. Ouais. Pas de fric. Ouais, ok. Compris ?
pisses dans le noir, toi? De la part de Sylvain. En position, bien en garde là, tu te tiens, tu te vas. C'est encaissé les coups? Non. Bon, on va voir ça. Allez, reviens. Attention, je double. Comme si tu étais enraciné là. Voilà. Wow.
Attends, attends, bouge pas là. Vas-y, roule. Vas-y, roule, roule. Prends à gauche, là. À droite, venez, à droite. Allez, suis-le, c'est lui. C'est lui, suis-le. Mets ta voiture à cul, là. C'est bon, c'est bon. Mais avec un mec comme eux, t'as tout à gagner. Ben, si tu rentres dans la bande, t'es avec les autres. Ici, si t'es tout seul, tu crèves. Ben, en plus, eux, il a un frère, Tony, quoi. C'est un mec important. Non, c'est bien, il a l'air de t'avoir la bonne, c'est bien. Et pourquoi il s'appelle œil? C'est le nom qu'il s'est donné. Il te fait faire le ménage? Ouais. Tu vas voir la vieille aussi? Ben, c'est normal, c'est le début, quoi. Regarde ça. Tu vois dans les mallettes là? Bah tout ça c'est du fric là. Tout ça ça file à la banque là. Ça brasse un paquet de thunes tous ces magasins là. Et lui là, c'est qui? Ah c'est Bogdan, c'est un Polonais, il parle pas français lui. Il travaillait sur des chantiers, tu vois. Et puis il devait donner chaque jour de l'argent au mec qui lui trouvait du boulot, ça l'a fait chier quoi, il s'est cassé quoi. Maintenant il bosse sur le port. Moi je bossais dans la mécanique et toi? Moi? La boulange. La boulange, c'est quoi ça? Ah, la boulangerie, c'est faire du pain? Ouais. Et des gâteaux? Ouais. Mais tu vas nous faire des gâteaux alors? Bah. Tu viens d'où? Bah, moi je viens d'Orléans. C'est où ça? Bah, c'est en haut, dans le milieu, quoi. Ouais. Et toi? Moi, Château-Thierry. C'est où? C'est dans le nord. Dans le nord. Tout en haut. Et c'est combien de temps que t'es avec eux? 2 mois. Un conseil, méfie-toi de Chacal, tu vois? Ouais, bah fais gaffe à ce mec, il porte bien son nom, lui. Tu es sur le tapis ou quoi? Tu le fais sans ménage? Tu te prends la moitié de ta thune et tu rames comme une larve, rigolo que tu es. C'est bon, moi aussi je le faisais quand j'étais chez lui. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Mais moi, même si j'étais chez lui, il se risquerait pas à me le demander. Qu'est-ce qu'il est de plus que moi, œil? Regarde-moi quand je te parle, qu'est-ce qu'il est de plus que moi, œil? Parce qu'il est un frère, c'est tout? Eh ouais, mon poulet. Moi, il sait qu'il faut qu'il me traite en égal. Je t'ai jamais vu lui parler comme ça. Ouais. Écoute-moi bien, toi, écoute-moi bien. Tu as une gueule, elle est un peu trop grande, il va falloir que tu l'écrases si tu veux qu'on soit collègues. Tu as compris ce que je t'ai dit? Tu n'es pas à baptême encore. Des mecs comme vous, il y en a plein. Alors ne le ramène pas de trop. Et dis-moi. Toi, la star, là, tu as pensé un peu, hein, non? Ouais, venin. Venin? Il va falloir que tu le craches un peu plus, ton venin. C'est pas comme ton collègue, là, qui rampe comme un serpent. T'as entendu ce que je t'ai dit? T'as entendu ce que je t'ai dit? Je t'entends pas, là, je t'entends pas, là. Ouais. Ouais, t'as entendu? Bien brave. Il va falloir que tu aies un peu plus de tout. On dirait un tocard, là, on dirait. Ouais. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Oh putain, attends 2 minutes. On voit pas ça tous les jours. Regarde. Regarde, tu la vois là? Regarde-moi cette petite chatte, putain. Elle est pas belle, cette meuf? Je l'adore. C'est scotché, là, hein? Tiens, Moudrine comme ça, hein? Tu bandes, salaud?
Tu bandes, t'es tout dur. Devant moi, tu la mates. Mais t'es fou, toi. Je vais te tuer, moi. Je vais te crever les yeux. Allez, vas-y, défends-toi. Fais pas ta gonzesse. Allez. Allez, vas-y, défends-toi. Allez. Allez, défends-toi. Devant moi, tu la mates. Devant moi. Allez, allez. C'est bon, attends-moi là. Viens là, toi. C'est mon frère. J'ai un boulot pour toi. Gardez sa pute. Tu me fieras la moitié. Thank you.
Demain midi. Allez, on y va. Combien ça fait de bits par jour, ta pute? Une quinzaine, une vingtaine, ouais. Ouais, une vingtaine. Combien de taxes? 200, 300 balles minimum. 300 balles pour une vingtaine? Attends, ça fait combien ça par jour? Ça fait 300. Ça fait 300 fois 10. Ça fait 3000 balles par jour. 3000 balles. Attends, elle se fait 3... Non, elle se fait 6000 par jour. 6000 par jour. 6000 balles par jour, t'imagines? 6000 balles par jour. Par mois, ça fait combien? 6000 fois 30, ça fait combien? 6000 fois 30. 6000 fois 30, ça fait... Ça fait attends. 6000 fois 30, ça fait... 6000 fois 30. 150 000 balles, quoi. 150 000 balles. Elle se fait 150 000 balles, cette fille, dans le mois. Attends, mais cette fille, elle est riche, quoi. Elle est riche, 150 000 balles par mois. T'imagines tout ce que t'achètes avec 150 000? Mais qu'est-ce qu'elle fait de son pognon, cette fille? 150 000 balles par mois, quoi. Putain. C'est fou. Et les clients, t'en connais un client? Non. Jamais? C'est ce que tu fais, tu prends un mec dans la rue, n'importe lequel. Si tu veux savoir ce que t'as au fond des tripes, ce que tu vaux, quoi. Tu te prends un mec dans la rue et tu l'éclates ou c'est lui qui t'éclate, mais là, c'est clair. Ouais. C'est pas comme sur les rings, tu vois. Sur le ring, il y a trop de règles. Ouais, c'est bon, tu peux te rasseoir. Ça va? Tu t'occupes? C'est bien, Spider-Man? Donne-moi des feux. C'est Tony, je t'emmène. J'arrive. Combien elle te donne? 200. Merci. C'est bon, tu peux y aller. Thank you.
Bonjour. 1500, 2500, 3500, 700, 900, 4100, 300, 500, 700, 900, 5000. Voilà. Au revoir. C'est bon, c'est bon. On veut pas, c'est bon. Reprenez-le. Bon, reprenez-le. C'est bon. Merci. Bon, je crois que je vais t'arrêter pendant 15 jours. Tu pratiques un sport? Je fais la boxe. Bon, je crois qu'il faut oublier pour l'instant. Sinon, c'est ta colonne que tu risques de perdre. Bon, ça va, tu peux te rhabiller. Je vais te prescrire des médicaments pour la douleur et t'iras voir un kiné. Et tiens-toi droit aussi, hein, pas comme un boxeur. Attends, c'est quoi une colonne? C'est pas ça qui va m'empêcher de boxer. Hey, tu tapes, c'est tout ce que tu sais faire comme un bœuf. Mais regarde-le, regarde le mec que tu as devant toi. Devine-le, regarde ses épaules, regarde mes épaules. Ça va partir d'où? Ça va partir d'où? Plus rapide que moi. Pourquoi tu crois que je m'appelle œil? Si tu te loupes, c'est pas grave, il te ramasse un coup. T'as pas peur des coups? J'ai là pour ça, pour en donner, pour en recevoir. Tous les coups sont permis. Réponds, gauche droite, gauche droite. T'as les jetons, t'as peur de moi. Avant même de commencer, t'as peur de moi. Hein? Tape, merde. Gauche et droite. Viens me chercher. Monte sur moi. Monte sur moi, allez. T'as peur de quoi? Que si tu tapes, je tape plus fort. Hein? Que si tu tapes, je tape plus fort. Tape. Dis-moi dans ta tête, allez. J'ai là pour ça. T'as plus mal, t'as plus mal. J'ai plus peur que ta peur, enculé. Y'a personne qui peut te faire plier. Tu sais ce que c'est de ressort plein la gueule? Qu'est-ce que tu crois? Tu vas pas ressort plein la gueule, enculé. Enculé. Maintenant, tu sais ce que c'est le combat. Allez, 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 allez
S. Baker. Vas-y. Barru qui va te remplacer pour garder la pute de mon frère. Toi, tu vas lui servir de chauffeur. Vas-y, démarre. Monte la rue. À droite. À gauche. Au bout à droite. Arrête-toi là. Garde-toi. Garde-toi. Laisse tourner le moteur. Dis-moi du feu. Grouille. Ouais. C'est ça, sale nègre, mettons-les dehors. Espèce d'enfoiré. Hey, démarre! Démarre! Démarre, merde! Allez, tourne là, à gauche. Je t'aurai! Je te buterai la gueule, enculé, va! Arrête-toi là. Tu descends avec moi. Ferme la porte. Le verrou. Serre-moi à boire, dans la cuisine.
Un foutu singe, va. Tu vas blanchir quand je vais te crever, sale nègre. Qu'est-ce que t'as à me regarder? Arrête de me regarder! J'ai déjà dit pour me regarder, baisse les yeux. Ça te fait jouir? Ça te fait jouir de ne pas souffrir, hein? Sale petite merde! Et si je t'en mets une, là, hein? Tu vois ce que ça fait si je t'éclate la gueule, hein? Oh. Oh. Ouvre la bouche! Ouvre la bouche! Ouvre la bouche! Regarde-moi! Regarde-moi!
T'es un gars qui travaille bien, toi. Si tu veux, tu restes. Ça t'intéresse la politique? Tiens, Lisa. Il y a une réunion demain. Si tu veux, tu viens. On va se battre.